Allez, salut, salut à tous. Voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital. Et comme vous avez vu, vous avez entendu la voix, c'est toujours moi. Donc, aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter la bourse de l'Irlande. Voilà, donc pour ceux qui me suivent déjà sur WhatsApp et tout ça, vous avez déjà vu dans la description, vous avez déjà vu un statut que j'ai déjà mis cette notice-là. Donc, ici, sachez déjà que la petite information que je peux vous donner, c'est que la bourse de l'Irlande, ça concerne la licence, le master et le doctorat. Voilà, maintenant, ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez lire tout ce qui est là, tous les éléments qui sont là. Voilà, et vous savez déjà que si j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que c'est pour vous aider à raccourcir tout cela. C'est pour vous aider à aller déjà à l'essentiel. Donc, ceux qui pensent que les vidéos que je mets en ligne vraiment apportent, leur apportent vraiment est assez nécessaire pour eux. Vous pouvez déjà essayer de me donner un pouce bleu, essayer au moins de liker la vidéo avant de continuer à suivre cette vidéo-là. Voilà, parce que c'est encourageant et puis ça aide vraiment la chaîne YouTube à être vue. Donc, ici, par exemple, comme ça, pour postuler à cette bourse-là, c'est hyper simple. Voilà, mais déjà, d'abord, excusez-moi, vous allez d'abord savoir les éléments. Donc, en termes de deadline, c'est-à-dire les dates limites, vous devez savoir que la première date limite, c'est le 13 octobre. Voilà, donc je considère que les autres dates limites, c'est un peu éphémère parce que ça peut changer à tout moment. Mais je vous suis vraiment et je vous recommande vraiment de pouvoir postuler avant le 13 octobre 2022. Voilà, donc ça veut dire que vous avez en réalité un mois, moins d'un mois si je veux dire cela. Voilà, donc essayez de le faire un peu plus rapidement pour pouvoir postuler un peu plus vite. Voilà, donc ici pour pouvoir postuler, c'est hyper simple. Voilà, c'est vrai qu'il y a des techniques approvisionner, des techniques que vous devez maîtriser pour pouvoir faire tout cela. Mais si vous voulez vous-même postuler, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui veulent postuler avec moi, vous allez dans la description, il y a mon numéro là-bas, mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire inbox pour ces informations-là pour que on puisse vous aider à postuler. Voilà, donc je voulais donner quelques informations. L'information que je voulais donner, c'est quoi? C'est que en ce qui concerne la licence, vous n'avez pas besoin de superviseur, mais le master et le doctorat, par rapport à la faculté que vous allez choisir, vous allez devoir trouver votre superviseur pour pouvoir mettre cela. Mais je vais vous dire au moins comment ça se passe et puis comment lancer vite pour qu'un superviseur vous réponde, parce que les superviseurs prennent assez de temps à cause du manque de temps. Voilà, donc ici pour pouvoir postuler, vous allez d'abord vous enregistrer sur le site, et lorsque vous finissez l'enregistrement, maintenant vous allez devoir vous serez redirigé. Vous voyez où j'ai cliqué là, vous cliquez sur Apply, Apply here, voilà, vous cliquez là et vous arrivez sur ce site-là. Donc ceux qui ont déjà leur code et password, leur email et password, ils peuvent mettre là pour pouvoir déjà commencer. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, voilà, vous venez là pour vous enregistrer, pour pouvoir chercher à postuler. Voilà, d'abord vous enregistrez et après l'enregistrement, vous allez maintenant trouver. D'ailleurs, même ils vont essayer de vous dire cela, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici, par exemple, comme ça, moi je viens sur Register Here, vous cliquez là, vous cliquez sur Applicant, voilà, et vous allez voir l'élément qui est là qui s'affiche. Donc ici, l'information qui est là, je vais mettre en français, comme ça, vous allez pouvoir. Bon. Je mets français rapidement. Ici, je mets français. Je vais chercher la langue. Voilà. Donc, ici, il s'agit de la première étape du processus de candidature. Après avoir rempli et soumis ce formulaire-là, vous recevez un mail et avec un nom d'utilisateur et un mot de passe qui vous permettront d'accéder à votre profil Irish Research Consort et de commencer votre candidature. Vous, si vous êtes déjà inscrit auprès du système, il n'est pas nécessaire. Voilà, donc vous comprenez déjà. Lorsque vous allez finir de remplir tout ce qui est là, vous allez recevoir. De toute façon, je vais faire avec vous comme ça, vous allez voir comment ça se passe et puis comment est-ce que vous allez faire tout ceci. Donc ici, par exemple, comme ça, le titre c'est quoi, monsieur? Voilà. Et sélectionner comme ça le sexe. Donc je vais prendre homme. Dans les noms, c'est homme et femme. Maintenant, à cause des éléments de cette vie-là, bon, je vais pas trop me prononcer pour que ne pas que YouTube pour ne pas que YouTube ferme ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vais prendre homme ici.
Et après ça, la date de naissance, j'imagine que, imaginons ensemble que je viens pour faire la licence. Donc, je vais mettre la date comme si je suis né, par exemple, comme ça, en 2006 ou bien 2004 ou bien 2005. Voilà. Donc, le 12, 5e mois, 2000, par exemple, 5. Voilà. Il vient faire la licence. Donc, 2005, je crois que ça va aller. Ok. Ou bien, je vais mettre 2003. Restant, 2005, il est trop jeune. Il est trop jeune. Ok. Donc, ici, 2003. Ok. Donc, mon prénom, j'ai choisi un prénom comme ça. Ok. Et le nom de famille. Ok. Donc, l'élément qui est le plus important, c'est mon mail. Pour que je puisse vous aider, il faudrait que je mette mon mail normalement. Donc, le mail, je vais prendre le mail que je mets à chaque instant. C'est quoi? C'est le mail qui m'aide à postuler au bourses ici en ligne. Ok, mon bourse. Ok, donc. Ici, numéro de téléphone de contact. Ok, donc s'il y a assez d'erreurs, ils vont vous dire et vous allez pouvoir corriger. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Ok, donc adresse municipale 1. Donc je considère que je suis à Abidjan. Donc je peux mettre ici, je peux mettre Abidjan. Ok, je vois qu'il y a des éléments qui ont apparu là. Je vais choisir ici. Par exemple, je mets Abidjan Street, non, pas Abuja. Avenue Abidjan, Accra, non, pas Accra. Je suis à Abidjan. Donc, ici, ce sont les rues d'Abidjan, mais qui se trouvent. Vous savez déjà que dans certains pays, il y a des noms de nos villes dans certains pays. Voilà, mais moi, je veux vraiment Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan, je vais prendre Abidjan, virgule, je vais mettre par exemple, je vais prendre Pobwe. Ok, donc Abidjan Pobwe, ça va. Donc, et adresse municipale 2. Ici, comme ça, je vais changer la ville. Je vais prendre adresse municipale 2 d'abord. Ok, donc je mets un bassin comme ça. Et ici, la ville, ça sera encore Abidjan. En fait, lorsque vous choisissez l'élément qui s'affiche déjà, lorsque vous saisissez l'adresse, il y a déjà une ligne qui sort et vous pouvez choisir directement pour pouvoir terminer. Une fois que vous choisissez, eux-mêmes ils remplissent ça, tout ça pour vous. Voilà, mais moi je vais pas faire ça comme ça. Donc si je suis à Abidjan, alors mon code postal sera pas comme ça. Ok, 1863 et le pays Côte d'Ivoire. Voilà, donc suivez juste comment est-ce que je fais et puis voilà, c'est tout. Quelle est votre nationalité et c'est-à-dire votre pays de délivrance de visa, c'est quoi? Côte d'Ivoire. Donc vous prenez votre pays. Pour moi, ce sera Côte d'Ivoire. Ok, donc. Comme c'est écrit là, vous avez vu là, c'est écrit que lorsque vous allez soumettre, vous allez recevoir un mail. Donc, ne vous en faites pas pour cela. Donc, ici, par exemple, I'm not a robot. S'il y a un souci, ils vont vous dire là en description. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Et ici, vous allez mettre soumettre. S'il y a un problème, ils vont essayer de vous montrer cela. Donc ici on dit quoi? You have now successfully registered in the research concern applicant.
You will shortly receive an email. Okay. If you don't receive an email, check your spam filter. You may not. You may now close the browser. Donc, on dit que je vais recevoir dans quelques instants un message. Et lorsque vous ne recevez pas ce message-là dans votre mail, normalement, essayez de regarder dans votre spam. Vous pouvez recevoir dans le spam. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais fermer ça et aller voir dans mon mail pour pouvoir voir le mail qui est là-bas et confirmer et suivre le lien pour pouvoir continuer à postuler à ma candidature. Donc, on y va pour aller voir dans mon mail. Ils étaient en train de parler. Donc, vous pouvez venir là dans le spam pour voir et vous allez voir un message ici. Dans le cas contraire, ça, c'est lorsque ça ne vient pas normalement ici. Vous voyez, moi, c'est arrivé normalement ici. Donc, on dit « You have successfully registered in the Resource Consortium Online Grant Management System. » Donc, ce que moi, je vais faire maintenant, vous voyez ici, on vous envoie, par exemple, comme ça. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Je vais essayer d'agrandir un peu comme ça. Vous allez voir les éléments qu'ils m'ont envoyés. Donc, ils m'ont envoyé comme ça un mail. Et ils ont envoyé mon nom d'utilisateur. Donc, ça, c'est mon login et mon nom d'utilisateur. Donc, ici, on dit quoi? On dit, c'est écrit, par exemple, ici, je vais essayer de zoomer comme ça. Vous allez comprendre, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Ok. Donc, ici, c'est noté, par exemple, je vais essayer de zoomer. Ici, c'est noté par exemple, please go to the address below to activate your account and your password. Vous voyez ici, ils vous ont envoyé déjà deux éléments, ce que vous ne devez pas oublier. Je vais essayer de réduire ça. Voilà, ils vous ont envoyé deux éléments. Regardez bien ces deux éléments-là. Ici, voici le login link qui est là. Et ici, c'est votre username. Voilà, c'est-à-dire votre mail. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer de cliquer sur l'élément qui est là pour aller... pour me retourner sur le site et pour confirmer en même temps mon email. Donc je clique là et ça me renvoie directement sur mon mail. Voilà, ici vous voyez, et de là maintenant je vais essayer de faire quoi, de créer mon mot de passe. Donc on me dit comme ça que le mot de passe doit avoir 12 caractères et le mot de passe doit satisfaire à au moins 3 de ces conditions là. C'est à dire que ici c'est 4, mais ça doit satisfaire au moins 3. Donc ici mon nouveau mot de passe, si vous voulez, ceux qui veulent choisir ce qui est là, vous choisissez ce qu'on vous propose, mais je vous conseille de chercher vous-même votre mot de passe pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir mieux l'enregistrer dans votre tête. Donc moi je commence toujours par une lettre majuscule. Voilà, donc quand je clique là, vous voyez que il y a un élément déjà qui sort en vert. Voilà. Ça, c'est la lettre majuscule. Donc, je continue maintenant. Ça doit être 12 caractères. Donc, il faudrait que vous sachiez au moins comment ça se passe. 12 caractères, vous devez taper 12 fois. Bon, donc, n'oubliez pas cela. Alors, je vais effacer ça. Je vais prendre déjà une lettre majuscule. Ok. La suite. Ok. Et à partir de cet instant-là, maintenant, je vais choisir des chiffres. Donc, 12 caractères. Ici, vous voyez, les 3 sont déjà bien, mais les 12 caractères, c'est pas encore rempli. Donc, je dois essayer de faire remplir les 12 caractères. Alors, je vais effacer ce que j'ai mis là. Je vais effacer ça. Je dois mettre 12 caractères. Alors, je vais faire de mon mieux pour mettre les 12 caractères. Voilà, donc je reprends ça. Ok, maintenant j'ai les 12 caractères. Ok, donc ici par exemple comme ça, on dit password must have au moins 4 caractères scientifiques. Bon, ils avaient dit, ici on dit your password must safely at least 3 of the following words. Donc je crois que ça dépasse déjà 3. J'ai déjà les 3. Donc si ça refuse, on va essayer de répondre. Un instant que je mette ça aussi.
Voilà, donc je crois que ça va. Donc je vais soumettre. S'il y a un souci, on va reprendre. Donc, au contraire, vous allez devoir poursuivre. Voilà, donc on attend. Voilà, je crois que ça passe. Donc là, vous voyez un peu. On me dit que ici, who you are and what you do. Vous allez lire cela, mais vraiment, ce n'est pas vraiment important pour nous. Donc, accept. Vous cliquez là, accept. Voilà, vous acceptez et puis vous avancez. Il y a un élément juste en dessous. Vous cliquez sur accept et vous allez pouvoir avancer. Donc ici, arrivé là, il y a tout ici, open course. Voilà. Donc si je clique là, open course, vous allez voir les éléments de open course. Il y a deux éléments et vous allez maintenant essayer de postuler à l'élément qui vous convient. Ici, c'est Government of Ireland Postgraduate Scholarship. Ici. Et ici, Government of Ireland Postgraduate Fellowship. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. Vous voyez, c'est ce qui est ici. Et regardez très bien ici. La date, la vraie date ici, c'est Research Body Submission Deadline. Ici, c'est Applicant Submission Deadline. Ça veut dire que jusqu'au 20 octobre, vous devez finir. Mais je vous conseille de finir cela le 13 parce que à partir du 13-14, déjà, l'application commence à ralentir, l'application commence à perdre un peu son efficacité, donc essayez de postuler avant le 13. Voilà, donc une fois que vous arrivez là, vous allez cliquer sur Apply, et puis en ce qui concerne ceux qui sont en master et en doctorat, pour le doctorat, c'est un peu complexe, donc si vous voulez qu'on vous suive, vous pouvez déjà rapidement écrire en inbox. Dans le cas contraire, lorsque vous avez des soucis, vous pouvez nous poser aussi des questions. Ok, donc je poursuis ici, vous allez cliquer sur Apply là. Et à partir de cet instant-là, vous allez maintenant chercher à faire quoi? À postuler à cette bourse-là. Donc, Government Ireland Postgraduate, ici, Beginning Eligibility Quiz. Donc, ici, vous pouvez cliquer là. Et puis, c'est à partir de cet instant-là que tout va commencer. Voilà. Donc, moi, je vais faire une pause ici. Et puis, je vous reprends dans un peu de temps pour pouvoir poursuivre à cette bourse-là et essayer de vous aider à postuler. Ceux qui veulent aller en avance. Ceux qui veulent, par exemple, comme ça, aller un peu plus vite, vous pouvez déjà me contacter inbox pour que je puisse vous aider à postuler. Ok, donc à plus, les gars. Et puis voilà, essayez de le faire et surtout, prenez soin de vous, les gars.